Je m'appelle Jim Walton, voici ma fille Mitzi, et ça, c'est notre Charger. Alors Marc, pourquoi t'as décidé de retaper la voiture de Jim et Mitzi? Je l'ai surtout fait pour Jim et Mitzi. Quand Mitzi m'a contacté sur Internet, elle m'a raconté l'histoire de la voiture. Et j'ai vu les photos de la Charger à l'époque. J'ai vu qu'elle avait transporté depuis de longues années toute une famille, puis la génération suivante. Même si on a des voitures plus difficiles à réparer, plus rares ou plus remarquables ici qui rapporteront plus, je pense que l'histoire de la Charger m'a interpellé. On voulait une voiture pour se balader en famille à travers le pays. Et on aimait la couleur. Je ne dirai jamais assez à quel point les souvenirs comptent pour moi. Quand Jim me parle de la Charger, je l'entends me parler de sa jeunesse quand il est devenu père de famille et qu'il voulait une voiture assez grande pour emmener tout son petit monde, mais qui ne consommait pas trop. Il voulait avoir les moyens d'emmener toute sa famille en vacances dans le pays. Et en 72, l'essence coûtait environ 10 cents le litre. Alors il voulait faire des économies. Quand la voiture sera terminée et qu'on la récupérera, je vais la garder ici, à Springfield, pendant un an environ, pour en profiter. Et ensuite, elle ira au fils aîné de Mitzi, mon petit-fils. Il la gardera tant qu'il en aura envie. Puis elle ira peut-être à mon fils cadet. Et ensuite, ils décideront tous les deux auquel de mes petits-enfants la donner. Celui qui saura bien en prendre soin, en profiter et la préserver, de sorte qu'elle reste toujours dans la famille. C'est ce qui compte le plus. Je t'aime, papa.